Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo des conditions plus calmes et assez bien ensoleillées pour votre mercredi en matinée sur l'ensemble de notre région. Les températures qui varieront de 6 jusqu'à 12 degrés, avec localement 6 degrés vers le puits velay 10 degrés pour Lyon, 11 degrés pour Grenoble ou encore pour le secteur de Moulins. Les vents qui resteront faibles et de direction variable. Pour votre après-midi, on va conserver ce temps calme avec la présence d'un temps souvent ensoleillé. Les températures maximales qui seront parfois inférieur au normal de saison avec 21 degrés pour Lyon, 23 degrés pour Valence et puis le vent de nord-ouest qui aura tendance à se renforcer en deuxième partie d'après-midi avec des rafales autour de 40 km par heure. Pour la journée de jeudi grâce à la présence des hautes pressions et eh bien c'est le soleil qui va s'imposer le matin mais aussi l'après-midi on notera un léger voile nuageux notamment vers Aurillac ou encore du côté de Moulins. Les températures maximales qui seront orientées à la hausse par rapport à ce mercredi jusqu'à 25 degrés pour Lyon, 26 degrés également vers Valence 22 pour Chambéry, on retrouvera des valeurs plutôt conformes aux normales saisonnières. Pour la journée de vendredi, eh bien la chaleur qui va de nouveau s'accentuer sur la région. On aura des pointes parfois à plus de 28 degrés, notamment sur Saint-Étienne ou encore du côté de Valence. Côté ciel, eh c'est le soleil qui va s'imposer assez facilement en matinée. Et puis en cours d'après-midi, nous aurons un léger voile nuageux, mais l'impression de beau temps prédominera. Les vents qui resteront souvent faibles et de direction variable, puis les températures qui seront souvent 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison et si la tendance météo se confirme, on devrait retrouver des conditions beaucoup plus instables et orageuses entre samedi et mardi prochain. En ce mercredi 30 août, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.